J'ai été contacté par Vanessa, la présidente d'une association de chasse dans un petit village des Landes. C'était lundi soir vers 21h30. Elle m'a envoyé la photo d'une lettre qu'elle avait découverte dans sa boîte en rentrant chez elle. Une lettre de menace d'une grande violence. La lettre d'un anti-chasse qui vomit sa haine dans une écriture à peine lisible et qui vise directement Vanessa et sa famille. Donc je suis parti à sa rencontre pour l'écouter et tenter de rendre compte de ce que cette violence peut engendrer, de ce que cette haine peut avoir d'impact sur les gens. J'aurais aimé pouvoir vous la lire, cette lettre, mais YouTube censurerait ma vidéo et l'objectif c'est qu'elle soit vue par le plus grand nombre de gens possible. J'ai accompagné Vanessa chez le médecin pour faire constater ce qu'il est d'usage d'appeler des lésions psychologiques, troubles du sommeil, rumination, angoisse, etc. avant de nous rendre à la gendarmerie pour déposer plainte. Je retrouve Vanessa chez elle. Je suis Vanessa Magna, présidente de la CCA de Pissos. Ça fait longtemps que tu occupes ce poste ? J'étais vice-présidente pendant 3 ans et là j'attaque ma 3e année en tant que présidente. T'es jeune ? Oui, 39 ans. T'as 39 ans. Tu as reçu une lettre. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, lundi j'ai été à mon courrier. Donc j'ai reçu une lettre de menace de mort. Des menaces sur ma famille. Du coup, ça m'a beaucoup touchée. Au moment où je reçois ça, j'étais avec mon chien dehors. J'étais toute seule chez moi en plus. Donc du coup, j'ai regardé autour de moi. Du coup, dans l'angoisse, je regarde autour de moi, je rentre dans ma maison, je me ferme à clé et je ferme les volets, quoi. Et du coup, j'ai vraiment pris ça, sur le coup, j'ai pris ça au sérieux. J'ai eu peur, en fait. J'ai eu une grosse peur. C'était donc là, pendant qu'on est en train de tourner ces vidéos, c'était donc avant-hier. Oui. Depuis, tu me disais que tu dors pas. Non, j'ai du mal à dormir. En fait, à l'extérieur, ça va, mais quand je suis chez moi, j'ai une angoisse, en fait. J'ai cette angoisse-là de... Je me dis peut-être que c'est qu'une lettre... qu'une lettre que les gens m'ont fait peur, bon, ça a fonctionné. Mais je reste quand même dans le doute. Je sais pas trop, en fait. De grosses insultes sur moi-même. Des propos un peu, haineux. Qu'on va s'attaquer à ma famille, mon fils, enfin mes enfants. Ma maison, les granges, les voitures, a priori, ils savent où j'habite et je suis surveillée. C'est les mots qui sont durs. Les mots qui sont durs d'entendre. Des menaces de mort, on va t'éliminer, enfin vous éliminer. Je veux dire, à un moment donné... Qu'est-ce que j'ai fait de mal? J'ai porté plainte du coup à la brigade et une plainte est en cours et puis j'attends la suite en fait de voir par rapport justement vu que c'est un courrier envoyé justement qu'est-ce que s'ils vont trouver quelque chose quoi. Ça a priori ça sera le procureur qui va décider si c'est une affaire très grave, entre guillemets. Pour moi, c'est très grave, mais pour eux, peut-être pas. Donc, je sais pas trop si ça va aboutir à quelque chose. Oui, j'ai vécu une agression. C'était une agression... c'était dur à lire ces mots, et moi, surtout, pour moi, c'est dur d'entendre qu'on va s'en prendre à ma famille. C'est compliqué. anormal, on peut concevoir que les gens n'aiment pas la chasse, mais là c'est une attaque personnelle en fait. Je l'ai pris, c'était bien visé, c'était moi. Peut-être parce que je suis une femme justement, ils ont essayé de me toucher sur ça, donc honnêtement s'ils voulaient me faire peur, ça m'a fait peur. Mais aujourd'hui, je suis là avec toi parce que j'ai envie de montrer que il faut arrêter d'agresser les gens en fait.
Moi, j'ai envie de dire à ces gens anti-chasse, vous n'aimez pas la chasse, c'est certain, mais aujourd'hui, moi, il y a des choses que je n'aime pas, mais je ne vais pas aller me battre ou envoyer des lettres à des gens. Les personnes qui n'aiment pas ça, justement, j'aimerais savoir le pourquoi et que, justement, on leur apprenne, peut-être qu'on leur montre, justement, comme moi, j'ai découvert la chasse, en fait, et qu'on leur montre ça. Du coup, alors, on s'est vu, tu as reçu cette lettre lundi soir. On s'est contacté mardi. Et quand je suis passé te voir mardi matin, tu m'as dit, j'ai envie de tout arrêter. Exactement, c'est les paroles que j'ai eues lundi soir au téléphone avec mon mari d'ailleurs. J'étais en pleurs, je lui dis, je vais arrêter, c'est plus possible. Je comprends pas en fait qu'on... On n'attaque pas la CCR en fait, on m'a attaqué personnellement. Je pense que je fais pas de mal à personne quoi, enfin, c'est ça que je comprends pas. Oui, dans arrêter parce que dans le stress en fait, j'étais très stressée, je pleurais. Ça m'a fait peur, hein, celui qui a fait ça, enfin ceux qui ont fait ça, ont gagné, j'ai eu peur. Mais aujourd'hui, si je suis là devant toi, c'est pour justement dire aux gens que je n'abandonnerai pas. Je me suis toujours battue dans ma vie et aujourd'hui je garderai ma place. Et donc, certes, il y a cette lettre, je suis prudente, mais je resterai à ma place. Je pense ne pas m'avancer en te disant que cette vidéo qu'on est en train de faire là, elle va être vue par des dizaines de milliers de chasseurs et que tu auras juste à regarder dans les commentaires pour voir que la chasse française, de toute façon, là, elle est derrière toi. Si vous vous demandiez pourquoi la chasse est en colère, vous avez la réponse. Nous voulons dire stop à ces mensonges répandus sur la toile par les associations de protection animale. Ces manœuvres médiatiques qui n'ont d'autre objectif que de manipuler la population par l'émotion. Le résultat, vous venez de le voir. J'accuse les associations anti-chasse, soutenues par des people pseudo-journalistes, d'incitation à la haine et de harcèlement sur la base, je le répète, de mensonges. Enfin, ma chaîne YouTube en est pleine. J'ai démontré ces mensonges les uns après les autres et je sais que c'est loin d'être fini. La haine est le langage des faibles. Je vous invite à partager cette vidéo au maximum pour faire savoir aux Français les conséquences de cette haine, dont les chasseurs et plus largement les acteurs de la ruralité sont victimes tous les jours sur les réseaux sociaux et maintenant jusque dans leur maison. Et n'oubliez pas de montrer à Vanessa que la chasse française est derrière elle. Je vous dis à bientôt sur Terre ou ailleurs.